103 pays réunis à Abidjan dans le cadre de la 25e réunion de l'organisation Rollback Malaria, traduisez « faire reculer le paludisme ». Objectif, harmoniser les stratégies de lutte contre le paludisme et coordonner leur mise en œuvre dans tous les pays. Nous avons 216 millions de cas de paludisme par an dans le monde et 80% se passent en Afrique au sud du Sahara. Quand vous prenez les décès, ça fait 660 000 décès par an et 90% se passent en Afrique et 91% de ceux-là sont des enfants de moins de 5 ans. Donc vous comprenez l'importance de la lutte contre le paludisme et parce que si nous investissons dans la lutte contre le paludisme, nous sauvons des vies humaines et aujourd'hui avec les instruments de lutte qui sont à notre disposition, aucun enfant ne doit mourir de paludisme parce que nous savons prévenir la maladie, nous savons traiter. Les experts du Rollback Malaria vont surtout se pencher sur les difficultés d'ordre financier dans la lutte contre le paludisme. Le paludisme affecte la productivité dans le milieu professionnel et appauvrit les familles et ménages en Afrique. Il faut donc déployer tous les moyens pour faire reculer cette maladie.